toutes ses couleurs. Réalise la base de cupcake avec de la pâte à modeler beige clair. Fais de la crème. Ça a l'air délicieux. Emballe les cupcakes dans du papier crépon. Décore chaque cupcake avec une lettre. Ajoute des paillettes. Les cupcakes sont dans la boîte. Alors, où il est? Salut, je viens chercher une commande spéciale. Oui, voilà. Wow. C'est exactement ce que je voulais, merci. Je parie que Sunny va être aux anges. Je dois les livrer le plus vite possible. Ah, oups! Itch, ça va? J'étais trop pressée. Regarde dans la boîte, j'ai quelque chose pour toi. Oh! Oups, pèse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, attends une seconde. Épouse-moi! Alors, tu veux? Waouh, oui, bien sûr! Sunny, bébé, il est temps de t'habiller. Fais une jupe en tulle. Ajoute des cheveux d'ange dans sa crinière. Tisse-les dans sa tresse. Waouh! Maintenant, essaie ce voile. Utilise une perforatrice pour faire des étoiles. Fais des sabots avec du papier mousse pailleté. Et la touche finale. Comme ça brille, elle est superbe. Maintenant, au tour de Hitch. Découpe un gilet dans du papier mousse. Et bien sûr, un nœud papillon. Décore son gilet avec une étoile. Maintenant, les sabots. Tout simplement magnifique. Les clients sont arrivés dans la boutique de mariage de la Lilou. Hello. Waouh, j'arrive pas à croire toutes les robes qu'il y a. Je vais t'aider à trouver quelque chose de spécial. Pourquoi est-ce que je suis venue faire du shopping, moi? Je vais l'essayer. Cette couleur n'est pas faite pour un mariage. Itch, j'ai besoin de ton aide. Attends une seconde. J'ai trouvé ce qu'il nous faut. Itch, allons essayer. Oh, on les prend. Merci pour ton aide. C'est avec plaisir. Ce carton épais va être utile. Crée un arc-en-ciel. Transforme des pompons en nuages. Les cubes ont formé des noms. Sunny et Itch avec un cœur au milieu. Magnifique! Encore quelques étoiles et l'arche est prête! Waouh! Tout le monde est réuni. Mais où elle est? Où est-ce qu'elle peut bien être? Le marié commence à s'inquiéter. Oh, voilà la mariée! Hé, c'est pas ma fiancée, ça! Où est Sunny? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pu m'empêcher de te faire une blague. T'aurais dû voir ta tête! Ils forment vraiment un couple parfait. Qui va attraper le bouquet de la mariée? Moi! Non, moi! Je vais l'attraper, c'est sûr! Ouais! Quelle coïncidence! Quelle jolie perle! Ajoute un rivet au bout. Note un nom sur du papier. Ce flacon de parfum délicat fera un excellent cadeau. J'aime tellement ces chansons. Qui veut monter sur scène et chanter avec moi? Moi, je connais toutes tes chansons! Comment tu t'appelles? Sunny. Viens sur scène avec moi. Et maintenant, je vais vous présenter ma nouvelle collection de parfums.
Et la première bouteille est pour... ma plus grande fan, Sunny. Oh ouais! Merci, je suis tellement contente. Ce parfum me rappellera des souvenirs. On a besoin d'une base en plastique comme celle-ci. Découpe du papier brillant. Réalise un échographe avec les pièces. Ajoute l'image d'un petit poney sur l'écran. Assemble un capteur en utilisant un morceau de plastique et une perle. C'est vraiment simple d'utiliser cet échographe. Et avec des roues, la machine sera facile à déplacer. On va maintenant pouvoir s'en servir. Du temps a passé. Et Sunny attend un bébé poney. C'est tellement excitant! Bonjour! Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Hey! On aimerait savoir si c'est un garçon ou une fille. Et comment va notre bébé? Assieds-toi! L'échographie va tout nous dire. On dirait que tu vas avoir... un crapaud. C'est la première fois que je vois ça. Comment c'est possible? Oh! Je vois la même chose. Ok, on va tenter autrement. Comme ça. Ah, piou, c'est bon. Tu vas bien avoir un poney. Il est en parfaite santé. Merci, au revoir. Ah, les docteurs et leurs blagues alors. Coupe un morceau de fil de fer. Courbe les extrémités. Il y a un rivet de chaque côté. Enfile un cordon dans la perle. Ajoute la tête du stéthoscope. Cet appareil permet de bien examiner les patients. Itch, je me sens pas très bien. Aïe! Appelle vite le docteur. Docteur, Sunny se sent pas bien. Allô? J'arrive de suite. Le poney prit tous les outils nécessaires avec lui. Sunny, allonge-toi, okay. Je vais écouter ton ventre. Oh là là, on n'a pas le temps. Tu dois aller à l'hôpital. On dirait que la famille de poney va bientôt s'agrandir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suis tellement stressée. Félicitations, t'es maintenant un papa poney. Hourra, on a eu 3 bébés. On va avoir besoin de cette pièce. Elle tourne super bien. Peins-la. Colle un cercle en papier mousse dessus. Plante un morceau de paille au centre du plateau tournant. Fixe une demi-sphère au sommet. Ajoute des colonnes faites avec du fil de fer et des perles. Découpe une frange. Fixe une décoration en papier mousse sur le toit. Fixe des licornes sur les colonnes. Wouche! Un arc-en-ciel! Quel beau carrousel! Les petits poneys s'amusent comme des petits fous. Leurs parents savent bien comment divertir leurs enfants. Waouh, toutes ces couleurs! Les enfants, j'ai quelque chose pour vous! Un manège! On va tourner dessus! Wouhou! Waouh, ça c'est rapide! Plie du carton en deux. Dessine des ailes. Applique de la colle blanche dessus. Des paillettes! Plein de paillettes! Ajoute d'autres petits détails. Ses ailes sont si colorées! J'aimerais tellement apprendre à voler! Peut-être que si je grimpe assez haut et que je saute, ça marchera! Tu dois juste sauter plus haut encore! Et comme ça, tu y arriveras! Les enfants, j'ai quelque chose pour vous! Des ailes de fée! Maintenant, on va prendre un cours de vol. Maman, aide-moi à les mettre! Et moi aussi! Les enfants sont prêts. On va les essayer. Je vole!
Oh, j'y arrive aussi! Comme j'en rêvais! Découpe un thé dans du papier mousse. Plie-le pour former un sac à dos. Regarde attentivement. Ajoute des bretelles à l'avant et une boucle à l'arrière. Il y a aussi des bretelles dans le dos. Et pour terminer, attache un porte-clés. Qu'il est beau! Les enfants, on va partir en vacances. Qu'est-ce que vous voulez amener? Des bonbons! Les bonbons prennent toute la place dans le sac à dos. Où est-ce qu'on va mettre nos affaires? J'ai une idée! Et voilà! Papa, t'es un génie! Allons-y! De nouvelles aventures nous attendent! Ce petit sac nous sera utile. Colle de la toile de jute sur du carton. Le bord du chapeau est prêt. Roule une bande de toile. Décore le chapeau avec un ruban et des plumes. Magnifique! Ce joli canotier te protégera du soleil. Hitch et Sunny sont sortis se promener. Quelle belle plage! Dommage qu'il fasse si chaud. Hi there. Il nous faut des chapeaux. J'ai plein de choix, approchez! Je veux essayer celui-là. Oh. Hitch, qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt rustique. Oh non! Attends une minute! Je ne vous ai pas montré mes plus beaux chapeaux. Waouh, c'est exactement ce qu'il nous faut. Perfect. On les prend! Merci, voilà l'argent. Maintenant, on va passer de super vacances.